kits de secours. Oh, c'est cool, je fais plein de kits de secours, comme ça si j'ai un problème. Ils m'ont pas vu. Carnage. Vite. On va manger pour... Ah non, il est bloqué, ma gueule elle est trop longue, je peux pas aller le chercher pour le chiquer. C'est quoi ces vieux bugs de gestion? Ah mince. Oh, c'est trop tentant. Oh non, je vous l'avais dit que les hippopotames trichaient, ils ont une barre de vie monstrueuse. Oui. Tiens, regarde hippopotame ce que je t'ai mis. Oh là, je vais pouvoir croquer dedans à pleines dents. Sale hippopotame, tu fais moi le malin là. Alors je vous explique l'histoire des hippopotames. C'est parce que quand vous faites le jeu en survie classique, vous jouez le buffle. Et pour débloquer les hippopotames, il faut prendre le territoire des hippopotames. Et j'y arrive pas, je suis mort 30 fois d'affilée. Parce que les hippopotames, ils sont 160 à vous attendre dans le territoire, ils vous foncent dessus. Alors là, je peux tuer les hippopotames, je me venge, j'en profite. De faim qui se remplit. Ah, il est empoisonné. Bon, bah, j'aurais pas les défis pour les 30 ans. Hein. Et si carnage. T'en faire un là de carnage? Non, elle va me voir. Carnage. Elle m'a pas vu. En plus, c'est pas empoisonné. J'en profite. Petit carnage encore. Oula, ça devient empoisonné là par contre. Carnage. Oh non, je l'ai raté. Oh, ce fail. Ça a pas compté comme un carnage. Oh, c'est pas grave. Et bah, je sais pas où est le parking alors. Allez, vite, faut que je chope une femelle. Que je me reproduise rapidement. Oui, le niveau de toxicité augmente. Bah ça j'ai bien vu, mais la zone est polluée. Alors, je vais me reproduire rapidos. En espérant que ce soit pas une femelle de premier choix. La Rolls-Royce des femelles qui m'attendent là-bas. Parce que franchement, je dois pas avoir le niveau. Faut que ce soit une ordinaire, même si une pouilleuse, c'est pas grave, je te prends. Elle vient la pouilleuse. T'as de la chance, je suis désespéré. Viens par là. La pollution monte, vite, il faut qu'on se reproduise avant que je meure. Marqué 10 fois. Allez, on s'accouple. On croise les doigts pour que la pollution soit partie pour la prochaine génération. Ah non, elle est pas partie. Ah, puis j'ai que deux petits. Enfin, on est que deux dans cette portée. C'est à cause de la pouilleuse, ça. Alors. Oh, zone commerçante de Shibuya. Le chef des hyènes fume les fouilles des poubelles. On va défoncer le chef des hyènes. Allez, crocodile. En avant. Si on meurt pas empoisonné, de faim ou de déshydratation, ou on se transforme pas en sac à main avant d'arriver là-bas. Allez, bientôt 32 ans. On va dépasser la barre mythique des 40 ans que j'ai encore jamais dépassé dans ce jeu. Mais faut dire que le crocodile c'est facile, hein. Enfin c'est facile. À part la barre de vie qu'il faut, la barre de faim qu'il faut bien gérer, mais sinon, pour le reste, il est trop balèze. Allez petit crocodile, dépêche-toi, t'es tout lent. Oh là là, qu'est-ce que c'est énervant d'être aussi lent. En espérant que les autres zones soient pas polluées. Ouais, j'ai faim, je sais bien que j'ai faim, mais j'ai rien à manger ici. Remplis la jauge de faim. Ok, boum, voilà. Il vient de manger des nuggets de chez KFC ou de chez McDo. Le niveau de toxicité augmente vite, 54. 5. Ça augmente dangereusement. J'espère que c'est pas pollué par là. Non, ça a pas l'air.
te mange. Vite, de la nourriture. Oh, mais je peux pas le manger, c'est une blague. Oh, je peux pas le manger parce que j'ai un museau qui est trop long. Ça, c'est pas une blague quand même. Bon, enfin, qu'on trouve pas becté alors. Si je meurs à cause d'un bug, je grille. Jure, là, c'est pas possible, quoi. Et pourquoi mon niveau de toxicité l'augmente? C'est pas une zone polluée, ici. Non, mais c'est quoi, ce délire, sans déconner? Ah, y'a un animal, là, vite. Ah non, ils sont direct pollués. C'est abusé. Vite, faut que je shoot le camp de cette zone. Ah, puis je crève de faim en plus. Je vais jusqu'à une mardeau, vite. Vite. Plus vite, petit crocodile. Crocodile. Oh, il boit. En plus, il fait chaud. Sans déconner. Tu t'es pris pour qui, toi? Ah, voilà. C'est pas grave. J'ai pris de la pollution, mais... Bon, au moins, j'ai rempli ma barre de bouffe. Vite de l'eau. Ah, mais ça devient pollué ici aussi. C'est pas possible. C'est pollué partout. Je vais mourir à cause de la pollution, je le sais. C'est ce qui va me tuer. Bon, allez, on traverse. Faut que j'aille voir le chef des hyènes. Hein. Lui montrer qui c'est le patron. Hop, je peux le manger. Il est pas encore pollué, apparemment. Voilà, ça va faire baisser un peu ma toxicité. Alors, je crois qu'il y a un défi. Il fallait que je marque des territoires, hein, de mémoire. Hein. Liste des défis. Marquer 10 fois le territoire, il m'en reste 6. Et j'ai dit que j'allais là-bas, c'était pour voir casser la tête au chef des hyènes. Oh. Voilà, ça me permet de tenir un peu plus longtemps. Alors, on va aller voir le chef des hyènes. Je crois que c'est des hyènes. C'est un chacal. Il y a une panthère en tout cas. Ah, il s'enfuit. Regardez-moi ça. Ah, quand on joue un loulou, hein, il y a du monde pour nous attaquer, mais quand on joue un crocodile, personne n'est là. Hein. Tout le monde s'enfuit. Ah, je l'ai raté. Alors, c'est censé être ici. Zone commerçante. Le chef des hyènes fouille les poubelles, on va lui apprendre à fouiller les poubelles. Oh non, c'est pas vrai que la pollution vient jusqu'ici, quoi. Oh là là. Mais la blague, elle me poursuit partout, le nuage de pollution. Oh là, il y a une épidémie, ils sont tous morts partout ici. Je voulais voir le chef des hyènes. Oh là, faut que je trouve un autre... Faut que je change de zone. Hein. Ah, je vais encore mourir avant 40 ans avant la pollution. Si ça, c'est pas moche. Faut que je prenne un médicament. Voilà. Heureusement que j'ai eu la chance de trouver ces petits médicaments. Parce que tous les cadavres que je rencontre sont pollués. Ah, et là, le chef des hyènes. Tiens, chef des hyènes. T'as un chef parce que t'as un joli blouson, c'est tout. Ouah, j'ai un sac poubelle, mais c'est trop bien.
Bon, allez, faut quitter cette zone. Faut essayer de retrouver l'entrée des égouts. Je vais me cacher dans les égouts. Normalement, il y a de la nourriture. Oh, mais c'est pollué de tous les côtés. Regarde toutes les affiches, toutes les annonces en haut à droite depuis tout à l'heure. Pour me dire que tous les territoires sont pollués un par un. C'était pour me dire ça, c'était pas la peine. Hein. Alors même ce territoire-là aussi est pollué. Oh, c'est pas vrai. Ça va lui remplir l'estomac un petit peu. Dans les égouts. Je crois qu'il y a une entrée des égouts un peu plus loin là-bas. Non, c'est pas par là, faut que je passe par là. Je vais aller me planquer dans les égouts. Hein. Je vois que ça à faire. Ou alors croiser les doigts pour que la pollution s'en aille avant que je sois mort, mais. Ça, je dois bien l'avouer, j'y crois pas trop quand même. Hein. Je pense que je serais déjà transformé en sac à main, en paire de gants ou. Ou en bottines de cow-boy avant d'avoir atteint 40 ans, c'est presque sûr et certain. Ah, il va falloir que je remange un médicament. Voilà. Vite, est-ce que je peux manger un peu avec lui? Oui. Ça va faire baisser un peu. Pas grand chose. Hein. Oh là là, il monte trop vite le niveau de toxicité. Elles sont ouvertes les bouches d'incendie. Ah non, faut que je mange mon médicament. Oh, c'est le dernier qui me reste, c'est pas vrai. Ah, ça y est, la pollution va être partie. Wouah, j'ai survécu à la pollution. C'est trop fort. Je suis pas mort. Mais y'a pas de bouche d'égout. Depuis, y a des bouches d'égout ouvertes dans le coin. Ah non, c'est derrière, je crois. Ils mettent de temps en temps des bouches d'égout. Tiens. Non, c'est encore pollué. Ma barre est en train de monter. Ouais, je vais atteindre 40 ans, c'est mon objectif. Je vais pouvoir mourir de pollution derrière. Ah non, mais c'est dégueulasse, ça va mettre de la pollution partout. Je peux aller n'importe où. N'importe où j'essaie d'aller pour me cacher, il y a de la pollution. Elle m'a suivi de zone en zone. Ah ouais, les bouches d'égout sont fermées, elles sont pas ouvertes. C'est pas juste, j'ai envie de dire. C'est trop injuste. Ça y est, 40 ans. Et... Ah, faut que j'aille aux prochaines zones. Allez, garde de Shibuya, faut que je retourne en arrière. Apparemment, il y a un jeune arriviste. On va aller lui casser les dents si on a le temps. Ah, j'ai faim. Faut que j'aille dans l'autre zone. Apparemment, dans l'autre zone, il y a de la nourriture. Mais là, il n'y a rien ici. Ah, c'est dur. Hein. La vie est dans Tokyo Jungle, elle est pas facile. Hein. Là ça va, j'ai pas les prédateurs à m'occuper, heureusement. Alors entre la pollution, la faim... C'est pas une vie de tout repos. Hein. Ah puis bah là j'ai rien, je crois qu'il va vraiment clapser. Ah si! Vite, faut que je la mange, Ouh, c'était juste à 7 points de vie. Ça a été juste, hein. Ah, les lions sont arrivés. Hein. Par contre, les lions font mal. Toi, tu vas voir, tu vas te faire un coup de croc dans le... J'ai rien dit, il y a plus fort que moi. Ça peut me soigner, non?
Ah, j'ai mangé ta femme, t'es dégoûté, hein. Vas-y, on se casse maintenant. C'est vraiment le... le gang des crocodiles, quoi. On a survécu. C'était chaud. Très tendu. Ma barre de vie devrait bientôt commencer à remonter. Ah ouais, ils font très mal, les lions, par contre. Hein. Je me suis mangé un petit coup et... Oh, sauf qu'il y en a partout, maintenant, des lions. Non, c'est un tigre. Carnage! Yeah, tiens! Tu t'apprendras à dormir au milieu de la route, saloperie!